Bonjour, bonjour mes amis, mes frères, mes soeurs, c'est votre Yannick, c'est votre serviteur Yannick Sonkodia. J'espère que vous allez bien. De retour encore avec une nouvelle vidéo sur la bourse d'études, mais du moins sur les bourses d'études. Désolé parce que vraiment ça fait un peu longtemps, j'étais pas trop présent sur la plateforme. Maintenant je suis de retour. J'ai participé à un programme voilà, de Mandela, Washington. Je suis de retour grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler d'une nouvelle bourse d'études. Alors vous savez pourquoi je fais les bourses d'études, j'ai fait les vidéos sur les bourses d'études. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit que c'est par rapport à une expérience que j'ai vécue. Et vous savez que lorsque tu viens d'une famille modeste, c'est vraiment pas facile d'étudier vraiment parce que vraiment il faut payer ton école, il faut payer ta scolarité, payer ton logement, ton déplacement, ton voyage, c'est vraiment pas facile. Alors donc c'est sûr que quand j'ai fait mon diplôme de licence, je me suis dit que bon, si moi je dois continuer mes études, mais il faut que vraiment j'ai une bourse d'études. Donc depuis 2014 jusqu'à 2018, j'ai passé tout ce temps à chercher la bourse et après ça, Dieu merci, en 2018, il y a eu une bourse qu'on appelle la bourse ACCA, qui est une bourse indienne. Donc j'ai bénéficié pour faire mon MBA. C'est vrai qu'avant de faire le MBA, je faisais une formation de master en Côte d'Ivoire déjà. Donc c'est de là vient un peu, encore une fois de plus, mon souhait, mon désir de faire des vidéos sur la bourse d'études. Pour aider ceux vraiment qui pensent qu'ils doivent être trop riches pour aller à l'extérieur. Non, aujourd'hui, tout est là, tout existe et vous avez la possibilité aussi d'étudier des grandes universités comme tout le monde. Voilà, sans même dépenser un rond. Aujourd'hui même là, vous pouvez étudier sans dépenser même un rond. Ayez seulement l'intelligence, ayez seulement la tête, soyez seulement des personnes consciencieuses et je pense que ça va aller. Alors, voilà, je vous fais pas de communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. Voilà, qui date du 24 septembre 2024. Hein, vous voyez, ça part, il n'y a pas trop longtemps. À la date où j'ai fait la vidéo, nous sommes au 28 septembre 2024. Donc, ça fait déjà 4 jours que l'information, le communiqué est relâché. Alors voici le communiqué. Le communiqué dit que le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur informe les étudiants que l'université privée indienne Presidency University, située à Bangalore, offre des bourses d'études partielles. Quand on dit partielles, vous savez que c'est financé partiellement, c'est en partie. Donc l'université l'université finance une partie, vous aussi financez sur une autre partie. Donc ça couvre seulement uniquement que la formation. Donc la partie que l'université finance, c'est seulement votre formation, destinée à 25 étudiants ivoiriens pour le niveau licence et master. Donc c'est un programme, s'agit quoi? Il s'agit du programme de licence bachelor, ou même le nouveau bachelor, mais licence. Voilà, c'est la science, commerce, journaliste, application informatique, commerce, management des entreprises, administration des affaires, navigation, technologie, génie civil, mécanique, électrique, design, droit. Vous voyez tout ça, voilà. Donc pour ceux qui vont faire le master, c'est administration des affaires, applications informatiques, technologie. Alors n'oubliez pas que aussi l'Inde aussi est vraiment aussi réputée aussi pour tout ce qui est domaine technologique. Hein, okay? Voilà. Donc les candidats intéressés sont priés de renseigner tous les champs du formulaire de candidature disponible sur le site de voilà, le site est là, au plus tard le 1er octobre 2024. Donc mes chers amis, ne voyez pas que la date, ne voyez pas la date comme une date qui est loin, hein, qui est lointaine. Hein. Ne voyez pas ça comme une date lointaine. Elle demande beaucoup de fois, beaucoup de ça existe quand même pas mal de documents fournis. Donc, ceux qui sont intéressés, postulez, voilà, allez-y, postulez et puis tentez vos chances. Voilà, et que Dieu nous garde, ok? Allez, sur ce, je vous dis merci et puis ciao, ciao. Bonjour, bonjour mes amis, mes frères, mes soeurs, c'est votre Yannick, c'est votre serviteur Yannick Sonkodia. J'espère que vous allez bien. De retour encore avec une nouvelle vidéo sur la bourse d'études, mais du moins sur les bourses d'études. Désolé parce que vraiment ça fait un peu longtemps, j'étais pas trop présent sur la plateforme. Maintenant je suis de retour. J'ai participé à un programme voilà, de Mandela, Washington. Je suis de retour grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, je suis là pour parler d'une nouvelle bourse d'études. Alors vous savez pourquoi je fais les bourses d'études, j'ai fait les vidéos sur les bourses d'études. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai dit que c'est par rapport à une expérience que j'ai vécue. Vous savez que lorsque tu viens d'une famille modeste, c'est vraiment pas facile d'étudier vraiment parce que vraiment il faut payer ton école, il faut payer ta scolarité, payer ton logement, ton déplacement, ton voyage, c'est vraiment pas facile. Alors donc c'est sûr que quand j'ai fait mon diplôme de licence, je me suis dit que bon, si moi je dois continuer mes études, mais il faut que vraiment j'ai une bourse d'études. Donc depuis 2014 jusqu'à 2018, j'ai passé tout ce temps à chercher la bourse et après ça, Dieu merci, en 2018, il y a eu une bourse qu'on appelle la bourse ACCA, qui est une bourse indienne. J'ai bénéficié pour faire mon MBA. C'est vrai qu'avant de faire le MBA, je faisais une formation de master en Côte d'Ivoire déjà. Donc c'est de là vient un peu, encore une fois de plus, mon souhait, mon désir de faire des vidéos sur la bourse d'études. Pour aider ceux vraiment qui pensent qu'ils doivent être trop riches pour aller à l'extérieur. Non, aujourd'hui, tout est là, tout existe et vous avez la possibilité aussi d'étudier des grandes universités comme tout le monde. Voilà, sans même dépenser un rond. Aujourd'hui même là, vous pouvez étudier sans dépenser même un rond.
ayez seulement l'intelligence, ayez seulement la tête, soyez seulement des personnes consciencieuses, et je pense que ça va aller. Alors, voilà, je vous fais pas de communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, voilà, qui date du 24 septembre 2024, hein, vous voyez, ça part, il n'y a pas trop longtemps. À la date où je fais la vidéo, nous sommes au 28 septembre 2024, donc ça fait déjà 4 jours que l'information, le communiqué est relâché. Alors, voici le communiqué. Le communiqué dit que le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur informe les étudiants que l'université privée indienne Presidency University, située à Bangalore, offre des bourses d'études partielles. Quand on dit partielles, vous savez que c'est financé partiellement, c'est en partie. Donc l'université finance une partie, vous aussi financez sur une autre partie. Donc ça couvre seulement une plus que la formation. Donc la partie que l'université finance, c'est seulement votre formation, destinée à 25 étudiants ivoiriens pour le nouveau licence et master. Donc c'est un programme, s'agit quoi? Il s'agit de programmes de licence bachelor, ou même le nouveau bachelor, mais licence. Voilà, c'est la science, commerce, journaliste, application informatique, commerce, management des entreprises, administration des affaires, navigation, technologie, génie civil, mécanique, électrique, design, droit. Vous voyez tout ça, voilà. Donc pour ceux qui vont faire le master, c'est administration des affaires, application informatique, technologie. Voilà, n'oubliez pas que aussi l'Inde aussi est vraiment aussi réputée aussi pour tout ce qui est domaine technologique, hein, ok? Voilà. Donc, les candidats intéressés sont priés de renseigner tous les champs du formulaire de candidature disponible sur le site de voilà, le site là, au plus tard le 1er octobre 2024. Donc, mes chers amis, ne voyez pas la date comme une date qui est loin, hein, qui est lointaine. Hein. Ne voyez pas ça comme une date lointaine. Elle demande beaucoup de fois, beaucoup de. Ça existe quand même pas mal de documents fournis. Donc, ceux qui sont intéressés, voilà, allez-y, postulez et puis tentez vos chances. Voilà, et que Dieu nous garde, ok? Alors, sur ce, je vous dis merci et puis ciao.